Je salue tout le monde. Salut, salut à tous les guerriers. Vous vous connectez et puis vous partagez. Alors, je reçois les salutations des guerriers. Il y a mon grand frère Tcherno qui est là, qui me dit d'éviter des débats non instructifs. D'accord, mon grand, je comprends bien. Mais tu sais, quelquefois, tant que c'est social, il faut aussi un peu en parler. Voilà, ça dépend de la manière d'en parler. C'est instructif, bien sûr. Tu vois pas, dernièrement, ce sont des choses qui nuisent beaucoup au respect de la Guinée. Ces filles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, et tel 4 m'a fait ci, 1, 2, 3, tel 4 m'a fait ci, mon grand. C'est pour nuire à l'image de la Guinée. Ça part très loin. Et voilà, un inconnu aussi va venir mal parler dans ça, n'est pas parlé dans le centre, dans le cadre dont il doit parler. Donc on doit un peu parler, on doit un peu parler. Ça, c'est pas être têtu, tu m'excuses à un moment donné. Mais voilà, on doit un peu parler. Ça rentre dans le respect de notre pays. On ne peut pas continuer à salir, au fait, l'image des cadres comme ça. Tout le temps, la même chose se produit. Tout le temps, c'est la même chose. À un moment donné, on doit en parler quand même. C'est nous quand même qui devons en parler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra parler de ça. Je comprends dans le sens où tu vas, mon grand. Mais il faut rester voix seulement. Il faut rester voix. On sait ce qu'on fait. Voilà. Donc, toute personne qui peut, là, vous partagez au maximum. Je vais parler ici, tchap, tchap. Depuis le matin, on devait faire ce direct, mais comme vous avez constaté, j'étais à un débat et après, là-bas, voilà, d'autres choses aussi. Quoi résoudre? Très bien. Donc, vous avez tous vu les deux jours-là, cette fille qui est sortie, qu'il y a un cadre, on va appeler cadre, un cadre guinéen qui lui a proposé 3 000 $ pour investir dans ses projets. Tantôt, elle dit, c'est elle-même qui est partie voir le cadre pour lui proposer son affaire de projet. Tantôt, c'est le cadre qui lui a proposé. En tout cas, on sait que ce sont des choses qui se sont passées là-bas. Elle ne veut pas parler en réalité. Il y a la mythomanie à côté. Et puis voilà, il y a aussi une petite partie de réalité à côté. Voilà, donc, on veut dire à cette fille et à toutes ces filles-là. Voilà pourquoi on disait... Le cas de Fatounia Lela, on veut que ça se mette très, très bien sur la ligne. Parce que les mêmes choses se produisent. Ça ne fait pas longtemps ici, c'était Baïdi Haribo. Aujourd'hui encore, on parle d'un autre cas. Il n'y a pas longtemps, Fatou dit qu'elle, elle a été abusée par celle ou ceci, c'est cela. Je veux vous dire, vous les jeunes filles, là, pourquoi vous faites ça pour commencer déjà? Pour commencer, c'est le nom, c'est le mauvais nom de notre Guinée qui est là. C'est le mauvais nom de notre Guinée qui est là. Franchement, si vous pouvez à un moment donné garder même vos petits secrets là pour vous là-bas, là, ça serait mieux. Ça serait mieux. Parce que dans ce cadre-là, dans cette affaire précisément-là, ma chérie Adia, pour commencer, chaque jeune fille a des projets. Ce n'est pas tout le monde qui a des visions ou ceci, cela. Mais même si c'est la plus grande analphabète, a un projet. Parce qu'un projet là, c'est simple. C'est quelque chose que tu te dis, je veux faire ça pour progresser dans ma vie. Car chacun arrive à penser comme ça. Tu as tes projets, super bien. Dieu merci que tu as tes projets. Tu cherches de l'investissement. Tu cherches à ce que les gens t'aident. Tranquille, calme-toi. Toi-même, pour commencer, comme tout le monde le dit, toi-même, tu peux travailler. OK? Toi-même, tu peux travailler pour investir dans ton projet. Attends, j'éteins ça déjà. Toi-même, tu peux travailler pour tenir ton projet en main. Deuxième des choses, tu peux aller prendre crédit à la banque. Ça, les gens même sont là. Les gens sont là, vous produisez des projets. Hein? Les bailleurs de fonds sont là. Il y a assez de bonnes manières par lesquelles tu peux passer. Il y a assez de bonnes manières par lesquelles tu peux passer. Il y a aussi même les cadres aussi que tu peux aller voir. C'est toi-même qui es parti voir le gars, pour être clair. Voilà, tu es parti voir le monsieur, c'est un haut cadre, c'est quelqu'un qui a l'argent et tout, qui est prêt à te produire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe là-bas, est-ce que tu es obligé de venir ici sur la toile et puis installer ça? Tu dis que c'est parce que tu te sens menacé par le monsieur. C'est pas ça. Quand on fouille dedans, c'est pas vrai, ma chérie. Parce que dans tes écrits, là, il y a même une partie où tu promets au monsieur. Tu dis, toi, tu vas venir exposer ça. Oui, que tu vas venir exposer tous vos écrits. Et comme il a l'argent, il ne faut pas te le donner facilement. Sainte Karim Benzama, comme le dit le même bravado là-même. Comme il ne veut pas donner son argent de la sorte, toi tu dis, ok, tu vas venir payer tes photos, tu vas venir payer ta dignité, tu vas venir payer ton respect. C'est-à-dire, il ne t'a pas donné facilement. Quand tu vas venir l'exposer maintenant, quand tu vas venir vouloir le salir,
Il y aura peur maintenant, il va venir te donner l'argent. Donc, tu étais bien assise, tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire et puis tu es venue faire. Très bien. Je veux tout simplement dire qu'à un moment donné, gardez vos petits secrets pour vous-même. Vous n'êtes pas les seuls à qui toutes ces choses-là, j'ai eu telle affaire avec tel ministre, j'ai eu telle affaire avec tel tic-tac. Vous n'êtes pas les seules filles. Vous n'êtes pas les seules filles, ni guinéennes, ni africaines, ni de ce monde à qui cela arrive. Mais beaucoup de filles, celles vraiment qui ont de la dignité, se réservent de venir à la place publique, sur les réseaux sociaux, en parler. Gardez vos petits secrets là, vraiment. Gardez vos trucs, vos vies privées, on n'a qu'à appeler en secret. Ma chérie, si tu t'étais assis sur tes problèmes, si tu t'étais assise sur tes affaires, résoudre ça là-bas avec le monsieur, tout ceci n'allait même pas arriver. Tu n'allais pas salir l'image d'un pays, tu n'allais pas salir un monsieur. Aujourd'hui, tout le monde n'allait pas te dire que tu veux salir ce monsieur. Il fallait rester dans ton coin. Si c'est vrai que ce monsieur est en train de te menacer, ok, on allait voir le monsieur lui-même. Ce que toi-même tu fais là, ce que toi-même tu fais là, le fait que tu es en train d'exposer le monsieur là, c'est le monsieur lui-même qui allait venir t'exposer. Il fallait laisser le monsieur lui-même venir t'exposer. Parce que quand quelqu'un te menace vraiment là, celui qui te menace juste quand il vient exposer ça sur les réseaux, c'est pas toi qui vas venir exposer ça sur les réseaux. Et puis dans toutes tes preuves, on n'a vu aucune preuve où le monsieur lui est en train de t'exposer. Partagez-vous qui pouvez. C'est très important. Donc, tu te lèves seul. Personne ne t'a commissionné. Tu viens t'asseoir, tu racontes ta vie privée, tu racontes ton histoire. Et tu te dis, tu t'es adressé à une seule personne, donc il ne faut pas que les autres se mêlent. Ici, c'est un marché. Facebook, c'est quelque chose de très, très public. Ce que tu mets là-bas, ça concerne tout le monde. Tout le monde va mettre sa bouche dedans. Ah oui, ça, c'est forcé. Tu as parlé d'un individu. Tu as parlé d'un individu. Tu as précisé une seule personne. Mais ma chérie, tu as voulu que le monde entier le voie. Sinon, messenger serait suffisant. Parler directement avec la personne comme ça, en conversation messenger. Ok? Ça serait suffisant, mais le fait que tu viens publier des choses, des captures, et ceci et cela, en live, ça veut dire que tu veux que le monde entier soit témoin de ce qui se passe. Donc, n'importe qui, ou bien toute personne, va aussi en parler. Si se sent avec l'énergie et le droit d'en parler, il va en parler. À un moment donné, si tu vois que moi, tu as même vu ici, les gens même me disent de ne même pas rentrer dans des débats comme ça, mais je trouve d'une part aussi c'est important. Pardon, à un moment donné, réservez-vous beaucoup de salir l'image de ce pays. Toujours vous avez le nom des cadres guinéens dans vos bouches. Toujours les cadres guinéens ont couché avec vous pour l'argent. Toujours, c'est à vous, on propose l'argent pour coucher avec vous. Toujours, toujours, toujours. Pardon, à un moment donné, même si c'est vrai, là, gardez vos secrets. Gardez vos secrets. Faites, nous tous, on a des vies privées. Nous tous, on a des secrets. Nous tous, on est dragués par un homme et puis il veut coucher avec nous à cause de l'argent. Vous n'êtes pas les seules filles. Assez de filles de toutes les races, de toutes les couleurs, toutes filles, tout homme aujourd'hui drague pour avoir le sexe. Et tout riche aujourd'hui la compte sur son argent aussi pour coucher avec les filles ou pour coucher avec une fille. C'est pas étrange, c'est pas étonnant. On ne va pas dire, hey, voilà ce que le monsieur là a fait. Parce qu'il y a des hommes même qui font pire que lui. On a dragué des filles aussi pire que vous. Donc je ne serai pas trop long, mon message est très 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 précis. Mon message est très précis. À un moment donné, gardez vos secrets pour vous-même. Surtout si vous voyez que le nom de la Guinée sera sali là-bas. Oh, un cadre, oh, un ceci. Préservez l'image de ce pays. Il ne faudrait pas que ce pays soit toujours cité, soit dans des sextapes, soit dans des histoires de sexe et de l'argent. On en a vraiment marre de vous et on a marre de vous. S'il vous plaît, on a marre de vous. Tout ce que tu as raconté là, ma chérie, il n'y a rien de potable dedans. Il n'y a absolument rien de potable dedans. On ne voit pas où le monsieur t'a obligé. Nous, ce qu'on cherchait, la preuve qu'on cherchait, c'est là où il t'a menacé. Là où il t'a dit, si tu n'acceptes pas coucher avec moi, je vais te tuer. Là où il t'a dit, si tu n'acceptes pas, je vais t'envoyer des agents, je vais t'envoyer à la commissariat. C'est ça même, nous, on cherchait. On était branchés pour savoir ça. Mais aïe, nulle part ce sujet-là vient. Nulle part ces paroles-là viennent. C'est plutôt toi qui as menacé le monsieur.
qu'il va venir payer sa dignité parce que tu vas l'exposer. Ah ah. Toi-même, tu te contredis à la fin. Alors, toi-même, tu te contredis. Donc, franchement, à un moment donné, gardez un peu votre bouche. Gardez un peu votre bouche. Donc, comme tu veux assumer à tes projets à tout prix, on va t'aider. Parce que même ce qu'on fait là, c'est ta pub on est en train de faire. Oui, oui, c'est ta pub. Même ce qu'on fait là, c'est ta pub. Toi-même, tu disais tout à l'heure, tu dis que ton nombre d'abonnés a augmenté, non? C'est ton commerce qui est là. On te paye les vues sur YouTube, partout. Donc, on est en train de t'aider comme ça. Voilà pourquoi moi-même, j'ai dit dans mon titre, on va t'aider. Parce que ça, c'est t'aider. Parler de toi, là, c'est de t'aider, c'est de t'élever. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train de t'aider comme ça. Ton projet va aboutir à quelque chose. Voilà pourquoi d'ailleurs, on est étonné que tu partes à peine voir un homme ayant d'argent jusqu'à ce qu'il te propose d'aller au lit avec toi. Si tes simples vues sur Facebook peuvent même produire ton projet, hein? Tes simples vues sur Facebook, sur YouTube, ça peut te donner de l'argent, ça peut te procurer de l'argent, ça peut aider ton projet. Tes simples vues, même comme tu le dis, Facebook te paye, YouTube te paye, ça même, ça devait déjà t'aider. Ça devait déjà t'aider. Comment est-ce que tu pars encore exposer à un homme riche qui n'a qu'à t'aider que ceci? Il y a longtemps, on voyait ça ici, tu cherchais de l'aide aux gens et tout ça là, mais humblement, petit à petit, tu allais continuer. Mais s'il faut passer maintenant de chez les grands hommes aux grands hommes, de chez les ministres aux ministres, tu assumes aussi, tu gardes les secrets de tout ce qu'ils veulent te proposer. Il n'y a jamais de bonheur sans souffrance, il n'y a jamais d'argent sans convention. Tu penses que c'est facile d'avoir l'argent et puis jusqu'à 3000 dollars, au fait, on ne faut pas même rentrer dans les détails. Tout simplement, on n'est pas fou. On n'est pas fou. Là même, c'est l'argent de beaucoup de mougoulis, ça. Et puis, il y a beaucoup de mensonges. L'affaire, ça sent trop. Il y a l'odeur de mensonge sur ça. Hein? Même si ça soit mensonge vrai. Ma chérie, moi-même, je dis, pourquoi tu es sorti ici pour raconter ça? Hein? Il y a assez de sujets de quoi parler. Assez de sujets. Ça finit même pas. Ça finit pas. Si tu as un manque de sujets, fallait réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Au lieu de venir raconter vraiment la vie de ta chambre. Hein? Une vie qui est cachée là-bas, ta vie privée. Donc, ne salissez pas l'image de nos quatre Guinéens. Les choses-là se passent dans tous les pays. Mais les gens, à cause de ne pas salir l'image de leur pays, à cause de leur propre respect, tout comme toi-même, tu te dis, tu es fille digne et ceci, cela, si tu as vraiment de la dignité, ces filles-là se réservent toujours de ça. À cause de leur dignité, à cause de ne pas salir leur cadre, les cadres de leur pays, l'image de leur pays se réservent toujours. On a tous ces genres de choses-là. Si toutes les filles sortaient pour parler des problèmes qu'elles vivent avec les cadres, si toutes les filles sortaient pour raconter tout ce qu'elles vivent avec les hommes, toutes les propositions que les hommes leur font, mais on n'allait pas s'en sortir un jour. On ne peut jamais s'en sortir. Maintenant, bref, je vais parler de toi, Bravado. Tu sais, quand tu mets ta bouche dans une affaire, sois capable. Elle l'intelligence, la tête bien placée pour bien en parler. Dans toutes les choses, on a nos limites. Dans toutes les choses, on a nos limites. Je n'ai pas de poils sur la langue, donc je vais parler avec vérité. C'est ici l'affaire de Sarah Messa est sortie avec Makoso. On a vu ici Lolo Beauté et toutes les personnes qui avaient les preuves qui sont sorties dire que Mini Cooper même que Sarah Messa a là. Makoso a contribué pour payer ça. La maison de Sarah Messa là. Et puis son anniversaire, elle a organisé là. Sarah Messa a même proposé à Makoso qu'elle veut partir en France. On a vu toutes ces révélations ici, vraies ou faux, mais en tout cas, on a écouté ça. Maintenant, comme toi, Bravador, tu te bases sur les informations du net, tu te bases sur les informations de Facebook pour venir faire des vidéos, il n'y a pas de problème. Là aussi, tu n'es pas parti chercher sujet, là, tu es comme tout le monde. On n'est pas parti chercher sujet. On a trouvé ça sur les réseaux et c'est ici, on en parle. J'espère que le soleil, là, n'est pas dérangeant ici. C'était pas comme ça. Dès que je mets mon direct, et ça fait ça d'un coup comme ça. Bon, on va pas durer. Je finis bientôt. Donc, si tu as pris le sujet, là, ici, sur Facebook, même ici, il faut doser, ma chérie. Il faut doser. Laisse-moi même t'appeler ma chérie parce que tu as parlé comme une femme. Tu as parlé comme une femme. Je n'ai pas imaginé que c'est un homme
qui est en train de parler d'une femme comme ça. Donc, brava, mon cher. Quand tu vas parler des choses là, il faut doser. Sinon, à un moment donné, même si c'était une vérité, même si c'est vrai, ce dont parle tout le monde, toi, tu peux gâter. Toi seul, tout le monde peut mal te voir. Donc, je disais très bien, quand il s'agissait de Sarah Messa ici, ça, c'est un exemple frappant, dernièrement même, avec tout ce qu'on a expliqué, hein, sa complicité, sa confidentialité, avec son soi-disant papa Makoso, toutes les révélations sont là. Hein? Toi, tu as parlé de cette affaire dans l'humour, comme tu fais tes vidéos d'habitude. Tu fais genre, tu rigoles, tu fais rire tout le monde et puis tu en passes, tu ne juges pas. Maintenant, comme il s'agit d'une Guinéenne maintenant, de la fille là, Hadia, qui est venue parler de son affaire de 3 000 $, toi tu dis tu vas faire vidéo pour ça, tu vas la traiter de prostituée. Je ne voulais pas dire, mais je mets la petite partie pour que vous écoutez vous-même, parce que je ne veux pas reprendre le mot, mais bravado, mon affaire ici, mon problème ici, c'est que quel que soit ce que la fille a fait, quel que soit, toi, tu ne peux pas la traiter de prostituée. Parce que lorsqu'il s'agit de tes soeurs, tu ne fais pas ça. Ok? C'est le cas de Sarah Messa qui suppose être ici un exemple frappant. Beaucoup de temps se passe. Beaucoup de cas sont remplis dans ton pays, en Côte d'Ivoire, là-bas. Mais si toi, bravado, tu décides de faire une vidéo dessus, tu le fais en humour. Tu rigoles et tout ça, tu mets des parties rigolos sans pourtant juger. Et puis tu passes. Et puis tu passes. Tu transformes l'affaire même en humour. Tu transformes l'affaire en humour, même si c'était sérieux. Tes cas palpables de prostitution, s'il faut l'appeler. Mais tu ne les as pas appelées prostituées. Tu n'as jamais appelé une de ces filles-là prostituée. Donc, tu n'as pas eu le droit, tu n'as pas eu vraiment, vraiment, vraiment le droit, ni la dignité d'un homme de venir appeler la fille la prostituée. Même si, quelles que soient les raisons, même ce qu'elle a fait là, ça y est là. Toi d'abord, étant un homme dans sa dignité homme, si tu te respectes, tu n'appelles jamais une femme prostituée. Même si elle a commis une erreur de prostituée, même si elle a posé des actes de prostituée, un homme ne fait jamais sortir dans sa bouche dire à une fille prostituée. Ça, c'est interdit lorsqu'un homme se respecte. Ok? Même si c'est comme ça. Mais le mot-là ne peut pas sortir de ta bouche. Et deuxième des choses, tu ne fais pas ça à tes sœurs. Si c'était une sœur ivoirienne qui s'était comportée comme ça, je te dis et répète, tu viens, tu fais tes vidéos en humour. En humour, toi-même, tu ris avec. Tu es là, tu ne parles pas trop. Mais comme c'est une sœur guinéenne, toi, tu viens donner ton avis. Tu la juges. Tu insultes comme tu veux. Tu fais sortir le mot prostituée de ta bouche pour l'adresser. C'est ça mon problème. Pourquoi tu as osé faire ça? Pourquoi tu as osé faire ça? Quand les cas palpables, les cas même, les mêmes cas pareils, pas de différence. C'est produit chez toi là-bas. Tu as appelé ces filles la prostituée. Tu as ouvertement fait sortir le mot là de ta bouche. Jamais. Maintenant, ce n'est pas ça qui est le plus triste. Vous les Guinéens, maintenant, là où vous voyez qu'on traite votre soeur de prostituée, vous êtes là-bas, vous validez cela. Oh, c'est bien dit. Oh, bravado a bien parlé. C'est que vous n'avez pas bien analysé la vidéo. Vous ne réfléchissez pas bien avant d'agir. Sinon, même ce que votre soeur a fait, c'est pire, je ne la défends pas. J'ai commencé par dire ça, non? Elle a gâté, elle a chié, elle a mal fait complètement. Mais le fait que bravado fait sortir ses mots de sa bouche et l'adresse, vous l'arrêtez là-bas, à l'immédiat. Vous dites, oui, on voit ce que la sœur a fait. On voit ça, on voit ça. C'est la honte guinéenne même, comme je venais de préciser. Mais cela ne te donne pas le droit. Cela ne te donne pas l'autorisation de la traiter de prostituée. Toi, déjà, en tant qu'un homme, deuxième des choses, maximum de respect pour la femme. Quand c'est tes sœurs, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. C'est vous, c'est-à-dire vous, les Guinéens, d'une part ou autre, c'est vous qui donnez trop de... C'est-à-dire que c'est vous qui permettez aux gens de faire trop de légèreté dans vos affaires. D'abord, ça te concerne à quoi? Ça te concerne... Est-ce que quand il y a les affaires ivoiriennes ici, tu vois la bouche des Guinéens dedans?
Si un Guinéen va mettre sa bouche dedans, c'est très rare. Quelques-uns. Je n'ai jamais vu même. Je ne vois même pas. Tous vos buzz que vous faites en Côte d'Ivoire, tant de buzz, tout le temps, il y a buzz. Tout le temps. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a buzz en Côte d'Ivoire. Tu as une fois vu les Guinéens se mêler trop de ça? Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas respect aussi, ce n'est pas dignité, on se réserve aussi. Sinon, ici, sur les réseaux, on allait parler de tous les sujets. Mais ce n'est pas de tout, on peut parler. Ce n'est pas de tout, on peut parler. Donc, il y a ça. Les Guinéens même ne se mêlent pas de vos affaires comme ça. Mais toi, petit problème, tu te mêles de ça. Petit problème politico, socio, culturel, quoi, quoi. Hein? Sobizo. Tu as ta bouche dans toutes les affaires, bravado. Tu as ta bouche dans toutes les affaires de la Guinée. Mais quand tu parles des affaires de la Guinée, là, c'est pas mauvais. Mais de grâce, il faut parler de ça avec tout le respect. Parce qu'on te respecte beaucoup en Guinée là-bas. On te respecte beaucoup en Guinée là-bas, respecte-nous aussi. L'Afrique, c'est une famille tout simplement. Ce sont les Blancs qui sont venus nous diviser. Aujourd'hui, si nos comportements ne montrent pas la division, on n'est pas divisé. Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est un truc de ouf. C'est la famille, c'est l'union. Ce sont des époux même. Ce sont des amoureux même. On est ensemble. Tout de même, on n'a qu'à se respecter. Donc, quand tu parles d'une fille guinéenne, sache que tu es en train de parler de ta sœur ivoirienne. Tu n'as pas le droit ni la permission. Personne ne t'autorise. En tout cas, moi, en tant que femme, je ne t'autorise pas. Quelles que soient les raisons, il faut préciser, quelles que soient les raisons, tu ne peux pas te permettre de la traiter de prostituée. Parce que les mêmes cas palpables se sont passés chez toi. Je ne t'ai jamais vu traiter ces filles-là de prostituées. Jamais tu n'as traité ces filles-là de prostituées. Parce que là, c'était des Ivoiriennes. Et vous, les Guinéens, vous êtes là à applaudir ça. Vous êtes là à acclamer ça. Même si on dit votre sœur a chié, mais il faut réfléchir. Même si on dit votre sœur a mal fait, mais il faut réfléchir. C'est ça qui est la vérité. Écoutez très bien la partie. Écoutez très bien la partie. Si tu veux plaire, pas la bonne. Jésus. À cause des bordels comme vous comme ça, comme vous aujourd'hui, malheureusement, hein, à cause des bordels comme vous comme ça, que certains hommes aujourd'hui se payent la tête de la femme, se foutent de la femme, manquent de respect à la femme. C'est à cause des fainéants et des bordels comme vous comme ça. Pour finir, si vraiment toi, tu as du respect pour ton corps et pour toi-même et pour ta famille. Là. Deux fois, à plusieurs reprises, tu traites la fille là de bordel, de prostituée. Pour quelle raison? Qui t'a permis de dire ça? Quand il s'agissait de tes soeurs ici, bravado, est-ce que tu as fait vidéo si sévère? Est-ce que tu as jugé? Tu n'as pas donné ton avis? Tu n'as même pas jugé? Tu as laissé comme ça? Tu as fait humour? Tu as fait rire les gens? Tu es passé? Donc moi, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai cru que ce même modèle de vidéo-là, tu fais rire les gens, tu ne vas pas donner ton avis, tu ne vas pas juger la fille. Hein? Tu dis tu es comédien, donc tu vas faire la comédie sur l'affaire et puis tu passes. Et puis tu passes, c'est ce qui te concerne au fait. Si quelqu'un doit redresser la fille, laisse-nous, ses frères et sœurs guinéens, on va bien la mettre à sa place. Ce qu'elle a fait, c'est mauvais, on va bien la redresser. Mais toi, pour toi, équité où? Si tu veux intervenir aussi, il faut intervenir avec la bonne manière. Et puis voilà, la vie continue. On avance tous là, on avance. On a d'autres chats à fouetter. Mais toi, tu vas traiter la fille de je ne sais pas quoi, c'est pas bon à répéter. Pour quelle raison? Tu es qui pour la dire ça? Toi-même, tu es qui? Hein? Des cas palpables de tes soeurs sont passés ici. Est-ce que tu les as traités comme ça? Depuis quand toi et bravado, tu as levé le ton ici pour traiter une Ivoirienne de bordel? Depuis quand? Depuis quand toi, bravado, tu as traité une Ivoirienne de bordel? De prostituée, de vendue, de fainéante. Quelle que soit la raison. Pourtant, il y a eu des cas pires que ce cas. Il y a eu des cas pires que ce cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est produit des cas pires que ça. Pire que le cas de Adia. Tu as dit quoi dedans? Est-ce que tu as insulté tes soeurs? Est-ce que tu as jugé tes soeurs? Est-ce que la manière, c'est-à-dire la sévérité avec laquelle tu as fait vidéo, est-ce que c'était comme ça? Non, non, non. Tu es parti très loin parce que ce sont les Guinéens qui te permettent. Les Guinéens, quand tu rentres en bas de ces commentaires, vous êtes là-bas, vous applaudissez. Vous êtes comment?
Il faut réfléchir. Ou bien vous êtes juste embrouillé parce que la fille a fait. À un moment donné, quelqu'un a raison dans son tort. Quelqu'un peut avoir raison dans son tort. Donc, ce qu'elle a dit à faire, elle a très mal fait. Nous-mêmes, on la redresse. Mais arrivé sur ton point, toi, bravado, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucune liberté de la traiter comme tu viens de la traiter. Voilà, tu n'as aucune liberté. C'était mon point de vue. Je ne connais pas cette fille, elle ne me connaît pas. Je ne la défends pas par rapport à quelque chose. Je la défends parce que je suis aussi femme. Parce que quand les mots là sortent de ta bouche, n'importe quelle femme t'écoute là. Ça sort même dans ton con. Je dis ça parce que je porte aussi même chose que la fille là. Parce que je suis femme comme elle. Parce que je suis allergique de voir qu'on traite une femme de bordel. Quand j'entends simplement le mot qu'on traite une femme ou une fille de bordel, je me vois déjà dedans. Ça me fait mal en tant que femme. Et puis par rapport à quoi? Qui t'a invité dans ce débat? Quand tu viens aussi pour donner ton avis là, parce que tu es africain, Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est la même chose là. Il faut doser tes mots. Bravado, il faut doser tes mots. Calcule ce que tu vas dire. Je dis et répète. Quelles que soient les raisons, même si la fille a posé un acte, hein, qui concrétise ce que tu dis là, toi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire. Pourquoi? Parce que quand c'est tes soeurs ivoiriennes, tu ne fais pas ça, tu ne dis pas ça. Donc, quand il s'agit de la Guinée, soit tu restes à l'écart, ou si tu vas parler, tu parles avec un bon ton. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que moi, j'avais à dire. Et voilà, mon direct prend fond. Et ceux qui sont choqués parce que j'ai intervenu, j'interviens avec la tête. Je suis très désolée, mais je sais quand je dois parler, je sais quand je ne dois pas parler. Voilà. Ça, c'est pour sauver notre image et c'est pour un tout petit peu mettre ce bravado à sa place parce que je n'ai rien contre lui. Hein. Mais vous-même, vérifiez dans ce que je dis, c'est une vérité. C'est que vraiment, tu ne fais pas tes soeurs, tu ne peux pas faire ça aux soeurs d'autrui. Et c'est une légèreté à l'égard de la Guinée. C'est ce que vous faites aux étrangers et puis ils se foutent toujours de votre gueule. Parce que votre soeur guinéenne a chié, vous allez l'abandonner dans les mains maintenant de n'importe qui. Vous allez maintenant applaudir même là où on vous rassemble tous, on vous insulte. Même là où la personne qui vient intervenir là n'a plus raison. Même là où on s'abuse de vous tous, votre dignité. Vous êtes content quand un Ivoirien vient ouvrir, un homme vient ouvrir sa bouche pour traiter une guinéenne de bordel et de prostituée. Vous êtes content là-bas. Vous applaudissez. Parce que quant à vous, ce que la fille a fait là, c'est normal, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est pas vrai. Je suis très désolée pour ça, c'est pas vrai. À un moment donné aussi, faut pas abuser. Faut pas aussi abuser. Vous n'étiez pas là quand les choses se passaient. Si c'est arrivé à ce point, on n'a qu'à dire à la fille de se calmer. Il fallait pas qu'elle vienne exposer ces choses-là. Mais ça ne donne pas le droit à bravado de la traiter de la sorte. Une femme reste une femme. La femme est à respecter. Un homme qui est né d'une femme ne traite pas une femme de bordel, ni de prostituée, ni de fainéante, ni de quoi. Elle n'est pas ta fille, elle n'est pas ta femme, elle n'est pas ta soeur. Pas du tout. Donc tu n'as pas eu vraiment ce droit-là. Peut-être cette vérité, beaucoup vont se réserver de te le dire parce qu'elle n'analyse pas les choses. Parce que les Guinéens agissent avant de réfléchir. Vous tous qui avez validé cette vidéo-là, je dirais que vous n'aimez même pas votre pays. Je dirais que vous vendez votre soeur aux enchères. Vous vendez votre soeur aux enchères. Vous vendez votre pays aux enchères. C'est pas la fille là, il a insulté. C'est toutes les femmes guinéennes. Bravado vient d'insulter comme ça. C'est une légèreté que vous ne devez pas tolérer. Moi, j'ai fini de parler. À bon entendeur, salut. Je vais un peu lire les commentaires et puis voilà, on se laisse. C'était la guerrière interanie de l'offre. La bouche qui dit toujours la vérité et puis elle passe. Je n'ai rien à cirer.